poisson, merci de me rejoindre pour votre tirage amoureux pour les couples et les célibataires pour le mois de février 2020. Eh bien, je vous invite, si vous me découvrez, à vous abonner, appuyez sur la cloche de notification. Je fais chaque mois maintenant un gagnant parmi les abonnés de chaque mois. Et puis aussi, il y a le concours des 13 000 abonnés, après le concours des 12 000 abonnés, qui a vu des gagnants en voyance. Alors, merci aussi de vos commentaires, de vos partages. Je vous souhaite un excellent mois de février amour, ce mois de la Saint-Valentin, ce mois des amoureux. Et je voudrais commencer le tirage, eh bien, en parlant de Madame Poisson, qui aime des fleurs de la campagne, des pâquerettes, des myosotis, des renoncules, voilà. Elle est romantique, elle est insouciante et idéaliste, elle est dans les rêves, cette dame poisson. Eh bien, elle aime les bouquets variés à mettre sur son bureau, dans sa cuisine, vous voyez, des petites fleurs, vraiment des fleurs modestes, je pourrais dire comme les pâquerettes, mais des fleurs très très belles, puisqu'elle les agrémente également de petites branches, parfois d'arbres fruitiers en fleurs. Vous voyez, on est dans cette idée, eh bien, de romantisme incorrigible, je pourrais dire. Alors maintenant, eh bien, je vous invite, eh bien, à vous acheter ces fleurs. Peut-être va-t-on vous offrir ces fleurs, notamment pour la Saint-Valentin. Et là, je fais un clin d'œil à celui ou celle qui pourrait vous offrir ces fleurs. Alors, nous allons commencer avec le flirt. Bien, pourquoi pas. Soyons romantiques et flirtons. Hein. En tout cas, flirtez, madame ou monsieur. Monsieur Poisson, puisque cette carte de Dorine Virtue vous invite eh bien, à flirter, à offrir votre énergie de légèreté aux autres. Eh bien, peut-être, si vous débutez un amour, ou si simplement eh bien, vous avez un amour ou une relation qui bat de l'aile, je pourrais dire, eh bien, renouer avec le flirt, avec la légèreté, avec le sourire qui est sur les lèvres et dans les yeux. Peut-être sans impliquer nécessairement, si vous découvrez à peine la sexualité, mais une nature légère pourra vous ranimer la passion ou simplement attirer de nouveau de personnes à vous si vous êtes justement célibataire. Alors, on dit que lorsqu'on a un contact avec les yeux, le sourire, il se passe des choses extraordinaires, des choses indicibles, je pourrais dire, et qui se passent vraiment sans se toucher, même en se regardant. C'est vrai, vous qui êtes une romantique née, Madame Poisson, et peut-être Monsieur Poisson également, pourquoi pas, c'est pas interdit. Eh bien, vous allez peut-être flirter pour rencontrer un nouveau partenaire et accroître votre amour de la vie. Et c'est très très beau que cela pour le mois de février. Alors, soyez léger et amusez-vous. Alors, dans le livret, il est dit pour cet amour nu, cette très très belle carte. Il est dit, accepter ton ombre et celle de l'autre représente un défi essentiel. En ne cherchant que le beau de l'amour, celui-ci se transforme en illusion. Mais si tu t'accordes avec l'autre dans une honnêteté sans pareille, si tu écoutes sa vraie musique, vois quel effet cela produit sur toi et sur votre relation. Quand vous n'avez plus rien à cacher l'un pour l'autre, le lien qui vous unit devient aussi pur et aussi solide qu'un fil de soie. L'amour est le plus grand styliste de tous les temps. Il pare les amants d'habits de lumière. Eh bien, flirtez et parez-vous d'habits de lumière. C'est très, très beau. Alors maintenant, nous allons voir eh bien, avec l'orage interdit de Scheherazade, avec 9 cartes, un petit peu, eh bien, ce mois de février, ce mois des amours. Il y a un sultan de coupe qui ouvre le bal. Alors, ce sultan de coupe, est-ce la personne qui vous aime? Est-ce vous qui aimez une personne? En tout cas, il y a une idée de confiance en soi, parce que là, on est peut-être monsieur ou madame en pâmoison devant une personne que vous aimez. Vous allez peut-être vous déclarer prochainement. Eh bien, pour l'instant, vous êtes peut-être simplement dans le flirt et vous allez peut-être flirter aussi et vous déclarer en flirtant, pourquoi pas. Mais il y a une idée quand même de période faste qui s'ouvre à vous pour ce mois de février. Alors, on est dans la passion partagée parce que ce sultan de coupe, eh bien, c'est une personne que vous aimez qui ne s'est pas encore déclarée. Est-ce vous qui aimez une personne et vous ne vous êtes pas encore déclaré? Mais il va y avoir des échanges passionnés en ce mois de février. Ayez confiance à vous. C'est l'amour qui gagne après la bataille, après la patience, peut-être après de nombreuses années ou de nombreux mois de solitude, pourquoi pas. Il y a des échanges qui vont se faire. Alors, les sentiments sont sincères, l'amour nu est là, vous voyez, vous êtes dans la vérité de votre amour, l'autre pareillement, puisqu'il y a une grande communication qui va se faire, des échanges magnifiques. Alors c'est le printemps, c'est le renouveau, automatiquement c'est la saison des amours, le mois de février n'est pas loin du printemps.
On s'aime, hein, on batifole dans les champs, on est près de la nature, il y a des papillons qui volent autour de nous, il y a des papillons qui volent dans notre ventre. Vous voyez, c'est cela, vous passons en ce mois de février, c'est vraiment la fécondité, on a envie de renouveau, d'entreprendre, de se déclarer justement, hein, pour certains, ou peut-être vous allez avoir quelqu'un qui va venir se déclarer. Vous voyez, c'est le renouveau, on prend son élan, on a envie, bien, de s'exprimer, on est heureux, c'est la jeunesse. Et c'est la passion, c'est la saison des amours, on plante les graines parce que c'est la saison de la maternité aussi, on fait des enfants, vous voyez. C'est cela, c'est le temps des semailles, des saisons. On a bien travaillé, le renouveau, les fleurs sont là. Et voilà, les fleurs poussent. Voilà, c'est vraiment très beau. Il y a une idée de maternité aussi pour certaines personnes. Il y aura des enfants à venir avec cette carte du printemps. On est vraiment dans une idée bien d'abondance, je pourrais dire. D'abondance à venir, parce que le printemps, c'est l'abondance à venir, ce sont les semailles. Alors, tout cela est protégé par la main de Fatma, qui est là. Alors, eh bien, la fille de Mahomet, c'est la main de Fatma. Eh bien, écoutez, s'il y a des difficultés, s'il y a eu des difficultés, de la solitude, des difficultés dans votre couple, des souffrances passées en amour, eh bien, cette carte est très positive parce qu'elle éloigne la malchance de sa main. Elle éloigne tout le mal, tout le négatif. C'est le retour à l'harmonie. Il y a une idée de synthèse dans cette main, les cinq doigts de la main, vous voyez, un alignement. C'est une protection, cette main ressemble à un bouclier, et si vous avez eu des difficultés peut-être à exprimer votre amour, pourquoi pas, à vous livrer dans votre amour, eh bien c'est le moment maintenant de vous livrer, de donner votre amour, de faire votre déclaration, c'est cela, c'est le mois de la déclaration pour les poissons. Et on a ce vieux de la montagne, c'est une carte très très positive également, que ce vieux de la montagne qui est là, vous voyez, c'est un personnage qui a de la connaissance, et qui prend de la hauteur, qui s'élève au-dessus des souffrances, des mots qu'il a peut-être connus, de tout ce que vous avez connu, vous allez vous élever, mais en même temps vous vous ancrez dans votre connaissance, dans la terre. Vous voyez, ce personnage est assis, il prend du recul, il est au-delà des difficultés, vous voyez, il commence à s'élever. Il y a une idée vraiment d'apprendre de tout ce que l'on a connu, d'en sortir, comment dire, dans une sérénité, vous voyez, une idée de sérénité. Vous êtes protégé. En ce mois de février, vous poissons, vous allez retrouver une sérénité. Vous élevez au-dessus des conflits, des difficultés, de la souffrance et de l'amour pour ce renouveau. C'est un peu comme la fin de l'hiver avec ce printemps qui va arriver. La fin de l'hiver où tout est gelé, où la nature dort, où vous êtes endormi peut-être, mais vous êtes endormi pour apprendre, pour faire votre introspection, pour savoir vers quoi vous vouliez avancer. Maintenant, le printemps est là et avec cette connaissance, vous allez vous ouvrir et trouver un trésor parce que la carte du vieil arbre et du trésor, cela parle de cela. C'est la récompense de vos attentes, la récompense de vos souffrances, la récompense de votre patience, tout simplement. Cette carte, c'est la mère, c'est la maternité. On est encore dans la semaille, la maternité. C'est pour ça qu'il va y avoir des fécondités en amour, des enfants à venir. Il va y avoir aussi des amours naissants. Vous voyez, on est vraiment dans la récompense et c'est une idée de faire encore, peut-être encore preuve de patience, même s'il y a encore des difficultés et des retards, parce que c'est une carte qui parle de joyeux événements à venir, et le temps passe, mais le temps est porteur de récompenses et de bonheur. Et c'est la bonne fortune avec la main de Fatma qui est là, la bonne fortune est là, le trésor, voyez, le trésor et la bonne fortune vous attendent en amour. Il y a une idée, eh bien, avec l'éléphant qui est là, vous voyez cet éléphant-là, de ne pas ébruiter sa chance, de protéger son trésor, cet amour qui vient à vous peut-être, de ne pas en faire part autour de vous, en tout cas dans le début, vraiment de protéger ce bonheur qui est là, cet amour, cette déclaration d'amour, cet amour à deux en ce mois de février. Vraiment protéger votre trésor comme un chercheur de trésor protège le trésor qu'il a trouvé. Alors on a la torche, tout cela dans une grande énergie masculine, de la libido, là on a envie de sexualité, on est disponible, on s'ouvre à cet amour qui arrive, à ce printemps, on sème, c'est le temps des semences, je l'ai encore dit, on déborde de vitalité, mais alors cette passion, faites attention qu'elle vous éclaire et non pas qu'elle vous consume. Il y a une idée quand même de cette carte étant associée au diable, de ne pas se laisser déborder par ses passions et un excès de lubricité. Alors soyez quand même dans la mesure, hein.
Faites l'amour, pas la guerre, mais soyez mesurés tout de même dans cette grande énergie. Il y a une grande énergie de connaissance, vraiment de. On en vit vraiment, c'est presque le printemps, là, février, le printemps arrive, on a passé l'hiver, on a attendu l'amour, on a patienté pour l'amour. Et voilà que l'amour arrive vers vous, et l'amour, eh bien, il va se déclarer sous toutes ses formes, et notamment dans le corps. Alors cet éléphant, eh bien, lui, il est encore patient, il a de la patience, il sait qu'il y a encore, il y a des choses à venir, il y a de la puissance, et il est serein. Alors, eh bien, il regarde les choses sans stress et tout ce qui vous arrive, parce que ça va vous bousculer, peut-être pour certains, justement, s'il y a une déclaration, s'il y a un amour naissant, s'il se passe plein de choses, dans une grande traversée de l'hiver, peut-être, vous allez, protégé par la main de Fatma, eh bien, prendre le temps de la sérénité, vous allez avancer dans une force tranquille, et c'est votre amour aussi qui va avancer dans la mesure, sans précipitation, pour commencer par le flirt, peut-être. Peut-être, si vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, eh bien, ça va être le flirt. Vous n'allez pas vous précipiter, vous allez accepter tout cela. Faites attention quand même, il peut y avoir une rivalité en amour. Est-ce vous qui avez deux choix? Parce qu'il y a quand même avec les deux sultans une idée de rivalité en amour. Peut-être aussi dans cet excès pour certains, et bien d'énergie sexuelle, d'énergie de renouveau de printemps, allez-vous multiplier les aventures? C'est possible aussi, hein, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Alors faites attention de ne pas être dans une situation inconfortable, d'autant plus qu'avec la torche, on vous disait quand même de mesurer vos élans amoureux, vos élans sexuels également. Alors là, eh bien écoutez, on a quand même, avec le vieil homme et l'arbre qui est là, une idée, pour certains, bien sûr, on a vu qu'il y avait beaucoup d'amour, et pour certains, peut-être, il y a encore avec ces deux sultanes, peut-être l'idée que vous avez du mal à faire le choix et que peut-être le véritable amour n'est pas encore là. En tout cas, vous l'attendez, mais peut-être multipliez-vous les, pourquoi pas les aventures pour le trouver. Mais bon, faites attention, soyez prudents, mais que de toute façon, il y a une victoire qui va arriver, surtout qu'on a la main de Fatma qui est là. Alors si c'est vous qui êtes dans une rivalité amoureuse, dans une triangulaire amoureuse, et que vous attendez eh bien la déclaration d'une personne, il semblerait qu'avec la main de Fatma, eh bien il y a le choix qui pourrait être porté pour vous, même si vous semble que l'amour est loin avec le vieil arbre au trésor, qu'il faut encore patienter, mais vous allez voir que vous allez patienter pour l'amour, parce qu'il y a une carte très très belle, c'est la carte des amants qui est là. Alors là, c'est la rencontre, la fidélité, le mariage. La carte des amants, pour certains, il va y avoir en ce mois de février le rapprochement de deux routes, de deux êtres qui vont se croiser, de rapprochement des retrouvailles, pourquoi pas, pour certains. Ça va être le début d'une relation passionnelle. Alors au début, ça peut être le flirt, parce qu'on voit avec le flirt que les amants, c'est peut-être une relation épistolaire, c'est-à-dire peut-être par le biais d'Internet, par des messages, par des SMS. Vous voyez, ça va débuter doucement, il y a encore de la patience à avoir, mais la relation est protégée, je le redis. Alors faites attention encore avec cette carte des amants de ne pas être trop avec ces aventures éphémères que l'on a vues avec les deux sultans et la torche. Soyez quand même mesurés, hein, mais tout cela est sous de bons auspices. Gardez votre jardin secret, encore, gardez votre trésor si l'amour arrive. S'il y a des choses qui se passent en ce mois de février. Soyez aussi avec les amants dans la retenue, aussi un peu dans le flirt encore, ne vous livrez pas tout de suite, hein. Laissez un peu patienter l'autre, laissez durer le suspense si je peux dire, parce que s'il y a trop de précipitation, l'amour pourrait éclore, pourrait mourir dans l'œuf. Alors laissez-le se lever, grandir, c'est le printemps, laissez la nature faire, laissez pousser cet amour, cette floraison magnifique de l'amour. Et alors, eh bien, on est dans l'idée aussi avec les amants de garder son indépendance malgré l'amour que l'on peut rencontrer, malgré la déclaration d'une personne que l'on peut attendre des retrouvailles. Il y a quand même une idée d'indépendance, de ne pas livrer son jardin secret tout de suite, en tout cas, de commencer d'être dans le mystère. Ce tirage est très beau. Je vous remercie, vous poissons. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur en amour en ce mois de février. Je ferai bien sûr une guidance pour le 14 février. Et puis, eh bien, plein de belles choses à venir. Protéger, le trésor n'est pas loin, l'amour n'est pas loin, des retrouvailles sont pas loin, des rencontres sont pas loin. Et pour les couples, eh bien, peut-être un peu de flirt à nouveau pour ranimer la flamme, pourquoi pas. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition si vous désirez pour une consultation en privé. Bye bye.